avoir connu cette chapelle, je m'étais dit que le travail de Pascal Peset, peintre, que je connaissais bien, pouvait tout à fait rentrer en relation avec, avec le lieu. Donc j'ai fait Pascal Peset est venu voir le lieu, il l'a découvert, et assez rapidement, il a eu l'idée en fait, de faire un projet avec une autre plasticienne dont il appréciait le travail, qui s'appelle Élodie Boutry. Donc j'en ai parlé à Michel Barbier qui a trouvé que le projet pouvait effectivement être intéressant de pouvoir confronter deux pratiques autour de ce qu'on appelle une résidence à quatre mains. Alors qu'est-ce que c'est qu'une résidence à quatre mains? C'est un moment qui est donné à l'artiste et de pouvoir travailler dans un lieu sur une temporalité assez longue, à créer une œuvre en dehors de l'atelier. C'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant, où au départ c'est plutôt moi qui lui ai proposé, puisque j'ai en fait une peinture qui est très rigoureuse, avec quelque chose qui est tout est maîtrisé, il n'y a pas de. Tout est en à plat, et j'avais envie de travailler avec quelque chose où on a plus un geste en fait dans la manière de faire, et c'est quelque chose que j'arrive pas à faire dans mon travail, et du coup je me suis dit j'avais envie de proposer à Pascal de faire un travail à quatre mains, puisque lui au contraire dans sa pratique il a quelque chose qui est de l'ordre du geste, de l'écriture, une peinture qui est je dirais plus voluptueuse en fait que la mienne, qui aurait tendance à être rigide et froide au premier abord. L'idée était de mêler deux écritures sur une surface. Et au départ, on a commencé sur une feuille de papier, puis très vite, on est arrivé à construire une sorte de forme qui, au départ, était l'idée d'un pop-up, en fait, une feuille pliée, découpée, mais au moment où on la remet à plat, on a la feuille en entière, et donc ça a donné lieu aujourd'hui à une construction à une échelle plus importante, en bois, plus sur du papier. Cette collaboration pourrait paraître contradictoire vu la différence d'écriture dans les registres de l'art contemporain. C'est deux choses très 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 marquées, très différentes. Et nous, au contraire, ça nous intéresse. Je pense que ce qu'on a aussi un point en commun, c'est on a une pratique qui aime bien appréhender l'espace, c'est-à-dire qu'on travaille dans des grands formats, dans des grandes dimensions tous les deux, et ça c'est un point qui nous relie. La question de l'architecture, moi c'est quelque chose que je peux retrouver aussi dans des grands politiques que j'ai fait auparavant, qui étaient des tableaux qu'on pouvait articuler, qu'on pouvait plier, déplier. Tout ça c'est des points qui nous relient, et en même temps on a ces deux écritures complètement et radicalement différentes, mais qui au contraire provoquent une autre chose, j'allais dire, une autre ouverture, une autre proposition. Toutes les gouaches sur papier qu'on a pu faire, elles datent du début de l'année. Donc on ne savait pas encore qu'on allait exposer ici. À partir du mois de février, on y a pensé, mais la plupart de nos projets, en tout cas sur papier, étaient déjà réalisés. La réflexion par rapport à ce lieu, c'était plus dans la conception d'une maquette à l'échelle et par rapport aux proportions de la chapelle. Donc, de réfléchir à où est-ce qu'on voulait intégrer notre construction et puis la faire en fonction de l'espace qu'on avait ici. Voilà. Après, le choix des couleurs, oui, effectivement, c'est à la fois par rapport à des choses qu'on avait déjà faites et aussi en fonction des couleurs qui sont présentes ici, mais qui sont liées aussi à la lumière. Je pense que c'est à la fois une pièce qui prend sa place dans le lieu, mais en même temps qui ne l'occulte pas, qui ne le lieu est, j'allais dire, respecté, entre guillemets. Et en même temps, cette pièce, elle vit ici, elle a son autonomie aussi. C'est intéressant ce croisement entre des espaces architecturaux qui ont a priori rien à voir, mais qui se mettent à résonner ensemble.
cette chapelle, qui est une chapelle qui a été construite par la contre-réforme en fin de compte, pour s'opposer à la montée du protestantisme dans cette région. Après la proposition de Pascal, je me suis dit que ça rentrait tout à fait en cohérence par rapport au fait que la contre-réforme, c'est le baroque, c'est la sensualité, c'est les courbes, et le protestantisme, c'est une rigueur, c'est un minimalisme, c'est l'aspect rationnel, c'est les formes simples. Donc le projet, il y a une vraie cohérence qui s'est faite, et c'est un projet qui est heureux, puisque c'est un projet qui est né de partenariat, comme l'œuvre qui est présentée ici, de plis et de déplis, d'emboîtements et de rencontres. Thank you.